et je voudrais demander au DJ de se préparer afin que ensemble nous puissions leur offrir une standing ovation, qui veut dire simplement nous lever et acclamer bien fort. Mais avant que eux puissent faire leur entrée, il y a un groupe de jeunes gens stylés, tout beaux, tout frais, qui vont précéder, un peu comme Jean-Baptiste, ce meilleur couple de nos séjours. Alors s'il vous plaît, quand Koulou Mamoué la Mitoï. Mamoué, tu me vois bien. DJ, quand tu es, si tu sens l'obligation de te lever, vas-y, lève-toi. Merci de vous lever, merci d'encourager ces jeunes gens qui nous aident. Le mariage de ce soir. Et on tape dans les bras. Merci d'acclamer les jeunes gens qui sont en train de ouvrir le bal ce soir. Merci. C'est sous vos acclamations, sous vos ovations.
Ouais, c'est chaud, ça vous chauffe. Nous allons acclamer Baba Manibata Tukangulum de Tulomito Tusan Katbugibana pour le Mouabeu Tukumabikaji. Et tout un chéri, chapeau du commandant. Je vous demande, mesdames et messieurs, à l'entrée de ce merveilleux couple de ce soir, nous puissions faire du bon bruit, que le ciel couche, que les anges acclament.
nous ensemble et que nous puissions accueillir Raphaël et Nathalie, que nous puissions accueillir ceux qui ont choisi en ce jour de s'unir, en ce merveilleux jour. DJ, quand tu es prêt, tu y vas. Je vais vous donner un peu de temps.
encore un peu debout. Je sais que des fois on peut avoir les gens difficiles, mais nous allons ensemble acclamer ce couple. Merci Brian, au micro s'il vous plaît. Nous allons acclamer ce couple. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, humblement? Ah, c'est une bénédiction, c'est une joie, c'est une fierté. C'est un moment qui est digne d'être célébré. Un moment où vous devez faire ce bruit. Un moment où vous regardez votre voisin pour dire dans le chemin, je veux chercher, demander à papa et à maman comment ils ont fait pour que eux aussi soient là. Est-ce que vous mettez maintenant sur les tableaux, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup. C'est formidable, n'est-ce pas? C'est très beau. Et merci beaucoup Raphaël et Betty pour nous avoir donné cette occasion de venir célébrer. La Bible nous dit aussi que il y aura une fête de noces la plus grande qu'on ait jamais vue. Ce sera quand Jésus va présenter son épouse à son Père. Mais elle ajoute aussi, elle dit, malheur à celui qui manquera à cette fête-là, à cette fête de noces. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Jésus a mis le beau chemin. Remercions le Seigneur. Papa, nous te bénissons grandement. À voir que tu permets même que nous puissions goûter ce que nous goûterons un jour devant ton Père. La fête de noces, la fête de mariage. Merci beaucoup vraiment pour le privilège que Raphaël et Betty viennent de nous donner pour que nous puissions célébrer cette ordonnance, ordonnance que toi-même tu as établie. Et nous te disons merci parce qu'eux, ils ont choisi de le faire dignement de cette manière-là. Nous prions que tu puisses interpeller toutes les personnes qui n'ont pas encore fait ça, qu'ils puissent voir un bon modèle de ce que nous venons de voir ce soir, Seigneur. Et qu'eux aussi puissent dire, Seigneur, je veux aussi, je veux aussi que je puisse suivre le même chemin que je viens de voir aujourd'hui. Maintenant, toute la soirée, nous l'abandonnons entre tes mains. Papa, nous voudrions que ce soit une soirée de célébration, là où nous célébrons à toi. Seigneur, tu aimes que tes enfants soient en train de célébrer. Laisse que ça puisse se passer dans la vie. Bien sûr, je regarde ici l'applaudissement que nous allons les accompagner à la sortie. C'est jeune, c'est beau, c'est fait. Mais Tukune Sumandela, on l'appelle Betty, par les Haïtiens. C'est court, c'est beau. Elle est originaire du Kasaï central, de Kananga, ex-Luluabu, je suis né. Le 23 décembre, l'année, on la garde pour son mari et pour sa famille. Elle est la fille de papa André Mandela et de maman Rose Kassolo qui nous a déjà quittés. Mais je crois que du haut des cieux, elle contemple avec joie ce qui se passe ici. Nathalie est issue d'une famille de 5 enfants. Et l'information me précise qu'elle en est la cadette. Merci papa. Elle est étudiante en médecine. Elle est amoureuse de la science. Merci Nathalie de continuer. C'est une femme au grand cœur. Par son sourire, que vous avez pu voir ce soir, et ce n'est pas fini, on peut simplement voir la pureté de son cœur. Elle aime manger le foufou, le poudre et le poisson. Elle aime bien danser et elle aime la musique. Voici le portrait succinct de Madame Nathalie. Est-ce qu'on peut acclamer notre mari ce soir? Je me tourne vers lui, Raphaël. Raphaël Luboukaï Walukonka. Wagundem. Demain,
Il est originaire du Kassai Central, de Kananga de Lobourg, issu de la famille Walukonka, fils de papa Walukonka, qui est... Papa, pouvez-vous nous faire, je vous en prie, l'honneur de vous lever, s'il vous plaît, qu'on puisse vous reconnaître, malgré qu'il y aura d'autres moments. Est-ce qu'on peut appeler du papa? Merci. Papa Walukonka et de maman Marty Yambouya. Maman, toi c'est Ricky. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? C'est vrai, on me dit que régulièrement, j'ai omis de faire la même chose, mais je reviendrai vers vous, cher papa, toutes mes excuses, vous savez, il est raté, malgré toutes les préparations, on n'en manque pas. Donc Raphaël Walukonka est journaliste de formation et de profession. Raphaël se définit comme un self-made man, quelqu'un qui a su se façonner en s'offrant un chemin, une voie. 14 ans de carrière journalistique, il a travaillé dans plusieurs médias respectifs, plusieurs structures, plusieurs fois conseiller privé et stratégique en communication des personnalités politiques dont certaines sont en ces lieux, artistique et autres consultants en communication. Il est directeur général de Info 243. C'est un sportif. Je partage la même passion que lui de la boxe que nous pratiquons, mais on ne se tape pas dessus. Je ne saurais supporter ses coups. Et il est également judoka. Il est amateur de MMA. Voici la description de ce merveilleux couple que nous sommes venus ce soir accompagner dans ce chemin. Chemin qui n'est pas facile, non, je ne saurais vous le dire, je crois que tous les pasteurs vous l'ont dit. Si quelqu'un vous dit que tout sera rose tous les jours, il vous a induit en erreur. Il y aura des moments difficiles, il y aura des accueils difficiles, mais c'est cela le fondement du mariage. Il y aura des moments où il y aura des tempêtes. Mais si j'ai un conseil à vous donner, n'en parlez à personne, allez à genoux, parlez à Jésus. C'est le seul qui vous écoutera. Parce que tu peux m'appeler au moment où je suis peut-être en train de chercher la manche, je me dis bon, ça va, t'as fini. Mais lui, là, est toujours pris. Retenez, c'est le seul conseil que je vais vous donner ce soir. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement, après cette présentation succincte, il y a une surprise. Madame la mariée a un choix. Elle a une chanson qu'elle aime bien. Elle a un air qu'elle aime bien fredonner. Une chanson qui lui permet de rentrer dans la présence de Dieu. Et ce soir, il est là, le chant. Il est là, ce chant. Mais avant d'aller plus loin, je me tournais vers Papa Mandela. Est-ce qu'il peut se lever parce que... Est-ce qu'on peut acclamer aussi Papa Mandela, le Papa Mandela? Nous avons réparé et nous nous tournons vers cette surprise de ce soir. J'espère qu'elle te plaira. J'espère qu'elle t'honorera. Tout ce que je te demanderai, c'est évite de, si tu as trop d'émotions, de perdre ton maquillage parce que le chant sera plus fort. Quand vous serez prêts, mes amis, faites-moi signe. Si vous êtes prêts pour ce chant mélodieux, ce chant que Nathalie aime beaucoup, ce chant que Betty aime écouter, aime ressasser, écouter encore et écouter. Faites-moi signe si vous êtes prêts. On peut y aller de l'autre côté, nos amis, la musique. Oui, je crois qu'il va arriver. Nathalie, tu te poses bien la question de savoir c'est qui. C'est l'homme qui a chanté, l'homme du chant que t'aimes bien. Je t'en fais la surprise quand il va rentrer, je crois que. Faites-moi signe les musiciens, s'il vous plaît. Si vous êtes prêts, je voudrais juste entendre vos notes sonores. Ready? Oh, ok. On m'a demandé d'improviser, je vais continuer, il n'y a pas de souci. Nous saluons ce soir la présence de plusieurs dignitaires de la République. Nous saluons la présence de plusieurs amis de Raphaël, de la corporation. Certains sont venus me glisser, tu vois, leur aurait pu dire à tel moment, j'ai un cadeau, j'ai dit, je sais que tu as un cadeau pour lui. Nous le ferons dignement, nous le ferons dans toute la splendeur de la mesure de votre qualité, si je peux me permettre une telle
phrase. En dehors de cela, ça va être le prochain moment. Donc, après ce chant mélodieux qui sera chanté pour Nathalie et pour son couple, va passer le moment de la remise des cadeaux. Alors, pour bien le faire, nous allons peut-être faire d'une table d'un côté, une table de l'autre côté, je ne sais pas dans quel protocole, mais pour qu'on évite de se marcher sur les pieds et que surtout permettre aux photographes de faire des belles photos durant cette remise, je vous demanderai de pouvoir nous suivre, de laisser un espace, quelques temps ou quelques mètres à celui qui est devant vous, celle qui sera devant vous, pour que cette photo mémorable, nous puissions tous la voir dans les jours. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Est-ce que ma maman va remettre mon lolo en mariage à l'élo? Maintenant, mon lolo est en mariage à l'élo. Voilà. Alors, vous savez quoi? C'est un bonheur d'être là ce soir. Ça ne se passe qu'une seule fois dans la vie. Alors, n'hésitez pas à venir danser avec les mariés, car Jésus nous a surpris. Mais de manière agréable. Let's go. Go. Donne-moi une seule raison,
On sait le faire très bien. Voilà. Est-ce qu'il va te balancer la veste pas ça? Salut. Voilà. Salut, nous sommes les amants.
Papa,
Thank you.
soir, mon chef. Voilà, 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 la célébration, ça vient de tout le monde. Voilà, la présidente, c'est la richesse. Avec vos amis. Plasticien, cette œuvre a été réalisée pour moi au nom de tous les descendants des Kalumbayi El Kitchissa. Avec votre permission, je vais me permettre, mon heureux, à immortaliser ce moment avec vous. Merci. Voilà, comme vous avez su vous entendre, vous allez tourner, regardez, voilà, voilà, pour tout le monde. Continue, c'est long. Et tu vas le remettre à écouter. Je m'attendais à ce que vous puissiez venir, et mieux que ça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Tout y passe ce soir, et je tiens à vous rappeler que nous n'avons pas encore fini. Également, des personnalités du milieu politique qui sont parmi nous. Et l'une d'entre elles se fera le privilège d'accorder et de présenter son cadeau à ce couple. Un moment honorant. Je vous en rappelle de madame, s'il vous plaît, je lui sans être fatigué. Avant que je passe le micro. Vous avez tous entendu, mes amis, messieurs, je croyais que vous allez acclamer tout en vous. Voilà, il a dit ceci, que le cadeau sera remis au couple le lundi, à midi. Donc, vous pouvez le faire en privé. J'ose croire que la teneur, ou la grandeur, ou la profondeur de ce cadeau est à la dimension de cette discussion. Madame, je tiens à vous rappeler que c'est un couple qui est plus de sénateur. Madame est également sénatrice. Nous rendons grâce pour cela. Y a-t-il maintenant d'autres groupes qui ne se sont pas encore manifestés de manière à ce que Raphaël, petit, vous pouvez aller vous asseoir. Sous vos apparitions toujours, merci. Protocole, pouvez-vous nous faire signe?
I feel the silver smile so bright. Said just yesterday, you came around my way. But in my hopes in the rain, you will restore this shame beauty. Oh, you could make a brighter scene. Don't you ever think a supernatural being? And oh, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just who you are. You are my African queen, you guide my dreams. You take me where I've never been. You make my love bigger, bigger, bigger. You are my African queen, you guide my dreams. And you remind me of back then, and that is the African beauty. Standing well, I look into your eyes, and what I see is paradise. You got the wind in my soul, everything I want to know. I get all the night is feeling out, feeling inside. Oh, no, I'm gonna take your place, gonna take your space into fucking a embrace. Brother than the star, I love you just who you are. You are my African queen, the guide of my dreams. You take me where I've never been. You make my world bigger, bigger, bigger. You are my African queen, the guide of my dreams. And you remind me of that day, if that is the African beauty. It's been a long, long time since I got you on my mind. Now you are here, I say it's okay. Oh,
voyager.